Alors là, c'est simplement pour vous montrer la minceur d'un livre. Vous voyez, c'est tout petit, c'est presque rien. Ça coûte rien, ça coûte 3 euros. C'est une merveille. C'est un livre qui va bouleverser votre vie. Moi, il m'a fallu des centaines de livres avant de trouver ça. Et lorsque j'ai trouvé ça, je me suis dit, mais c'est absolument incroyable. Et je vous le dis aussi, quand je l'ai lu la première fois, c'était tellement fou à la fin de ce livre que j'ai dit, mais c'est pas possible. Comment est-ce qu'on peut réussir à faire une chose pareille en 3 lettres? Écrire une vie. Et je l'ai relu tout de suite pour essayer de comprendre, enfin de comprendre ou de voir le truc qu'il y avait là-dedans. Il n'y a pas de truc, c'est une magie pure. Inoue est quelqu'un d'extraordinaire qui a écrit des livres d'histoire, qui a écrit plein de belles choses. On disait qu'il allait avoir le prix Nobel tous les ans. Il ne l'a pas eu, mais qu'importe. Ce qui compte, c'est d'avoir laissé un livre pareil. Il a réussi une merveille, une perle, un joyau, quelque chose d'unique. Je veux dire que quelquefois, je me dis qu'avec un livre comme ça, ben, je vais peut-être réussir à vous réactiver à la lecture. C'est l'antidote de tout. C'est la porte ouverte au rêve, c'est la porte ouverte à l'intelligence, dans la simplicité. C'est un tout grand livre. Le fusil de chasse, Yasuhi Inoue.